Avertissement, certaines des images que vous allez voir sont choquantes. Éloignez donc tous les enfants de moins de 12 ans. Cordialement, Pêche Contact. Yo tout le monde, c'est Pêche Contact. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de mes trucs qui m'arrivent au bord de l'eau. Donc, il m'arrive un tas de trucs au bord de l'eau. Donc, notamment, beaucoup de fois, me prendre des hameçons, des fils. Enfin bon. Donc je vais vous parler de deux de mes plus gros problèmes que j'ai pu rencontrer au bord de l'eau. Donc le premier problème c'était... Non, c'était même pas au bord de l'eau, c'était dans mon garage. J'étais en train de ranger mon matériel de pêche. Et par malchance, bah, je prends une tête plombée, je m'entrave le fil, les pieds dans une canne qui traînait par terre. Bon, la canne a été cassée, mais bon... et malheureusement, bah, je me suis pris l'hameçon dans la main. Ici. Là. Oui, ici, c'est là. Donc, j'ai eu... Donc, ils m'ont anesthésié et tout. Enfin, anesthésié générale. Enfin, non. Localement, dans la main, donc ils m'ont mis un puissant anesthésique. Bah, je pars d'urgence, bien évidemment. Et voilà, donc ensuite le deuxième truc qui m'est arrivé sans cœur, non, parce que je me suis pris cette fois-ci, non pas dans la main, mais dans la jambe. Donc en fait j'ai cru avoir une touche, et bah j'ai ferré, alors bon, par ma chance l'hameçon était à quoi, 2-3 mètres du bord, l'hameçon est sorti à une vitesse de l'eau phénoménale, et l'hameçon a fini dans la jambe droite. Cette fois-ci ils ont réussi à me l'enlever enfin j'ai essayé de tirer dessus avec une pince mais rien n'y fait. Et bon, sinon encore une troisième chose qui m'est arrivée au bord de l'eau, c'est j'ai cassé une canne, mais cassé, quand j'ai cassé c'est pas cassé en un bout, j'ai cassé en 5 bouts. Donc comment j'ai fait je sais pas. Bon. Bref, allez, s'il te plaît, je contacte, je vous dis à très vite, abonnez-vous, likez, partagez, tout le monde. Peace!